moi je suis obligée de filmer avec ça pour l'instant parce que hier soir j'ai fini trop tard le montage et vu que je voulais qu'avoir de l'énergie pour aujourd'hui parce qu'on va conduire jusqu'à Florence donc j'ai besoin d'être d'attaque. Bah j'exporte que ce matin et il est à 600 sur 1000 donc on va se balader. On a pris le petit déj, on va se balader encore à Monterosso, on a un petit top et après on va voir Drumnem. On a une petite escale entre ici Monterosso et Florence. On va se voir pendant une petite 20 minutes genre. Ouais. Et je suis le décès, mais tranquille, on gère. Et en gros, Monterosso, c'est une grande rue comme ça avec plein d'hôtels, des petites habitations sur le côté. Et aussi énormément une ville de l'autre côté. Bon, c'est moins smooth qu'avec mon autre appareil. Hein. Mais marche quoi, ça y doing, doing, doing. Mais l'entrée est belle. C'est déjà si chaud. Putain de merde. C'est bon, du coup on vient de rentrer, on a fait une petite balade, il fait déjà archi chaud. Alors qu'il est que 9h30, on est réveillé depuis 7h. Moi je me suis couché à 2h du mat à cause du montage. Ça c'est exporté, je récupère enfin la caméra. On a pris plein de photos aussi pour des rêves pour dessiner après, parce que c'est l'essentiel un peu du voyage pour moi, ainsi que les vidéos. Et là on est en train de paniquer parce que il fait archi chaud genre à Florence. Il faisait 49 en Sicile, à Syracuse. Et donc on a regardé à Florence, il va faire 41. Et là à Rome il fait 40 et il distribue des bouteilles gratuites au Colisée pour les touristes. On n'est pas dans la merde. Du coup ça va, on a la voiture mais on va rejoindre Tiffen. On a vraiment genre un planning hyper serré aujourd'hui, comme hier. Comme avant-hier et comme avant-hier. On gère la fougère. Je suis contente parce que le montage, ça se fait hyper simple, même si ça prend du temps parce que c'est du montage. Ça prend bien quand même 2 heures, 3 heures. Mais ça reste hyper facile, hyper agréable pour moi à le faire. Et puis je suis archi contente de la qualité de cet appareil. Donc voilà, j'ai exporté, fait la miniature et je suis en train de partager sur les réseaux. Et puis on va y aller. Récupérer la voiture, poser les valises dans la voiture et let's go. Tout, on va où? Dans quelle ville? Alors là, on va à Massa. À Massa. Pour rencontrer du coup une amie. Une petite fan. Juste lui dire coucou et tout, rapidos. Et après, rapidos, on file. Et ensuite, on va à Florence. Let's go. Qu'est-ce que tu me dis ça? Là, il y a Elora qui vient me dire que la vague de chaleur en Italie s'appelle Lucifer. Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. Je crois qu'on va s'arrêter à Lucifer. Eh ben, Lucifer, ravi de t'en rencontrer, on arrive. Bah non, en fait, on n'est pas ravi de t'en rencontrer. Ce que j'aime le plus, c'est qu'ils ont des toutes petites voitures comme ça, qui se déplacent avec ici, et c'est beaucoup trop mignon à voir. Monterosso, c'est très joli. C'est vrai que c'est beaucoup plus touristique que Parme, par exemple, où il y avait vraiment moins de monde, et c'était un peu plus moins connu, j'ai envie de dire, ça c'est sûr. C'est cool, mais c'est sûr que si tu cherches quelque chose de moins touristique avec moins de monde, c'est pas l'endroit où il faut aller. Mais après, ça reste. C'est pas la même destination. Si c'est pas la même, oui. La mer, Bah, vaut mieux indiquer les différences entre les villes. Et du coup, il y avait Monterosso et les Cinque Terres, c'est complètement différent, c'est beaucoup plus touristique, avec plus de monde. Des tout petits villages, donc comme on disait, on ressent plus quand il y a du monde dans les petits villages. Mais ça reste archi cool et l'architecture elle est incroyable. C'était fou les paysages qu'on avait vus hier. Et l'ambiance à Monterosso reste incroyable. Et en plus, c'est pas cher. Elle va bien, pas de... Oh, on va mourir de chaud dedans. Oh mon dieu. Ça va. Bon. Je me sèche le visage. Et on part récupérer les valises. On met devant téléphone, prise et tout, parce que ce sera là-bas devant l'hôtel qu'on prend. Ouais. Ok, alors on a eu des bouchons et plein d'accidents, genre 2 accidents, et là on galère. On a enfin, juste... pas nous les accidents, oui, on a vu. Les accidents, c'est pas nous qui en a. Assistant pré-collision. Non, c'est bon, ok. En gros, il a vu qu'il y avait un truc
On a dit accident, le truc accident, pré-collision. Ok, on va se calmer. Mets-toi au milieu de la route, mon gars. Vas-y, vas-y, connard. On a eu un bordel, genre je devais conduire, ramener. Ta gueule, toi. Être posé devant les. On n'est pas du tout tordu. On devait mettre les valises dans la voiture, on était devant l'hôtel, il y avait grave du monde, on était bloqué parce qu'il y avait plein de bordel partout, l'ambulance arrivait, on a bloqué l'ambulance, on a dû faire une marche arrière du tonnerre que j'ai géré. Une vitesse que j'ai géré. Il y avait des piétons partout, il y avait des mobilettes de partout, et genre mais Fast and Furious la meuf. Qu'est-ce qui se passe encore? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? On n'aime pas Massa. On n'aime pas Massa. En voiture, déjà, c'est horrible. Ouais. Allez, let's go. Bah, ils font les feux eux-mêmes, en fait. Qu'est-ce que. Nous, on va aller là-bas. Là. Hein? On peut pas tourner là, en fait. C'est pour ça. Je suis en mode torture, là. C'est pas grave du tout. Il va passer. J'avoue, je flippais un peu de me retrouver en plein centre-ville avec le bordel parce qu'en Italie, apparemment, tu peux pas aller dans le centre-ville, sinon tu prends des amendes, donc j'avais pas non, peur. Non, c'est pas ça, c'est des villes historiques. C'est ouais, mais ça. On sait, enfin, moi j'en sais rien que si Massa est une ville historique ou pas. Ah, non, moi j'avais vu que c'était pas ouf. Et du coup, en fait, finalement, on a trouvé une place de parking facile, mais c'est à l'extérieur et vu qu'on a les valises, on va prier serrer pour les que rien se passe. De toute façon, c'est derrière, c'est caché, c'est pas comme si c'était. Oui! Et on a une voiture italienne, donc. Ouais, on a une voiture italienne, on n'est pas fait fichier. Ouais. Ça, c'est bien le fait d'en avoir une. Finalement, la plupart des gens sont rassemblés d'un bout à l'autre. Oui, et puis je pense que ça sort de l'eau. En carton là, on a été trop chaud. Quoi que ça fait? Elle est folle, elle en parle tout le temps, c'est ça? T'as vu les plans que ça fait? T'as vu les plans, regarde comment c'est stable. Oui, je suis sur ta vidéo du coup. Elle est désespérée par moi, il y a le nombre de fois qu'elle se met à fuir en courant. Tous les nerfs sont. On sécure tout. On cherche un parking. Je sais pas. Ah oui, ok. On gère. À droite. Ouais. En plus, c'est pas ma voiture, elle est beaucoup plus grande. Les parkings à Florence. Je vais t'arriver. Tout va bien. Au secours, nous. Alors, je dis nous, mais c'est surtout Claire. Ok. Boule de stress. Au secours. Mais on gère. Franchement, on a réussi à trouver un parking. Parce que notre Airbnb, il est en centre. Mais quand je dis centre, on est à 2 minutes à pied du Duomo. C'est bon, du dôme. Plein de place. Et le parking nous a conseillé la meuf de l'Airbnb. Putain, mais là, le cul qui dépasse de ouf, lui. Mais... Et... Ah, j'ai dit que c'était 20 minutes. Je sais pas si... Qu'est-ce qu'elle fait? La petite porte secrète. Attends, vas-y, attends, deux secondes. La petite porte secrète. Vas-y, mais qu'est-ce que tu fais, Laura? Bye bye. Je suis un mur. Non, t'es pas un mur. T'es une lumière. Et il y a une vue. Attends, parce que là, faut. Alors, t'as déjà la vue. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est incroyable. Oui, c'est très beau, oui. Comment on ouvre ça? Comment on ouvre ça? Je sais pas. Ah, si, c'est simple. Mais ce qui est encore plus incroyable. C'est rien de technologie. Non, c'est pas la meilleure vue, au pire. C'est ceci. Voilà, on a une putain de vue. Oh là 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 là. Alors attendez, le lit. Waouh. Du coup, on a vu le gars, c'est un Airbnb qu'on a fait ça, c'est un Airbnb. Ouais. Hyper méga cool, très très adorable. Et le pire, c'est qu'il nous a donné plein d'adresses là, de resto, de glace, tout et tout. Donc ça rattrape le bordel. Avec le parking. Ça va, on a souffert. Ouais. Mais pour
Mais pas pour rien. On est dans un corps, dans un autre mood, dans un autre univers. Je vais changer et là on va user Galerie Palatine. Galerie Palatine aujourd'hui. Voilà. Non mais Incroyable. Incroyable. J'ai le mot incroyable. Et Drumnem a une passion dans la vie. Faire des colis. Et même en Italie, elle en fait. Et du coup, on va découvrir ensemble qu'est-ce qu'elle nous a mis dans le colis. On va voir ça. Plein de trucs. Je crois que c'était des blancs de poulet. On va avoir plein de bouffe. Elle dit que là, niveau bouffe, on est bon. Hein. Niveau alcool aussi. Ah, c'est ça le pain qui pique. Oh, du nougat. Oh non, c'est ma grosse passion. Est-ce que c'est une nougat? J'adore. C'est une nougat. Elle est pas cool. Ça va être des gnocchis simples. Ah, ouais, alors ce soir, on va manger. Petite glace, petite liqueur, vraiment. Petite liqueur, petit truc sucré. Oui. Touk, 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 touk. Et là, nous allons. On va à la Galerie Palatine. Rendez-vous, c'est ça? Ouais, enfin, bon, rendez-vous. On a un ticket, pour 17h. Donc, vous devez être 10-15 minutes avant. Mm-hmm. Donc, on sera en retard. Hein, mais. Comme d'habitude. C'est pour Drumnem, ça, le papillon qui attaque le kiki. Et ben, on s'est posé à la cafétéria du musée. Petite boisson à la clémentine et au citron. Puis cheers! Et ben, bienvenue à Florence. Où il fait ressenti 42 degrés. Ou la mort, c'est nous, actuellement. Où on va se balader pour rentrer, pour aller au supermarché acheter des choses. Il est quelle heure là? Il est 18h30. 18h30, on va aller acheter à manger tomates, mozza, ouais. Notre repas en fait de tous les jours depuis qu'on est là. Non, le tien, mais pas bien. Le mon repas depuis. Ouais, tout c'est quand même pareil un petit peu. Et on va se reposer parce qu'on va clairement pas se mytho. Mes nerfs. Mes nerfs ne tiennent absolument pas. J'ai dormi du coup 5h cette nuit et là, enchaîner la route, enchaîner tout ça, je suis en train de suffoquer. Mais tranquille, c'est une belle journée, je suis très heureuse et c'est le principal. Oh.
la beauté du truc. Avec cette petite carte, c'est trop mignon. J'ai la carte, j'ai la carte. La pastèque à 69 centimes. Quoi? Ça va partir avec de la mozzarella, hein. Et en vrai, notre appartement, il est ultra bien placé parce qu'on est juste là. Au pied du dôme. Eh bien, ton ressenti de Florence? Trop joli, je suis ici. Très très chaud. Archi chaud. Mais c'est magnifique, on est hyper bien passé. Notre logement est par ici, là c'est le Palazzo Pitti et c'est ce qu'on a fait, ce que vous avez vu comme vidéo, et on a un peu longé tout ça et on a vu un peu tous les monuments. Je vous ai un peu montré des petites rues pareilles ici avec le pont là que je vous ai montré. Et bien voilà notre restaurant pour la soirée. Petite burrata. Nougat de Dremnem, nos petites salades, nos petites tomates et tout surtout cette vue et cette lumière. Voilà. T'es fière de cette soirée et de cette journée? Oh oui. Oh que oui. Et on reste ici pour 3 nuits. 3 nuits, ouais. Et il y a plein de choses à faire ici. On va faire plein de trucs ici, là. Vous voyez le studio with me? Direct.